Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui enfin pour une vidéo commentée. Ça fait très très longtemps que j'en avais pas fait. Enfin, si, mais je vais vous expliquer. Ça va parler principalement de mes vidéos aujourd'hui. Parce qu'il y a eu pas mal de changements. Comme vous aurez pu le marquer, déjà j'ai 74 vidéos. Au départ, j'en avais une centaine puisque j'avais commencé les 100 et etc. etc. Mais je me suis dit, il va y avoir du changement sur la vidéo, sur la chaîne, pardon. Tout d'abord parce que Torap n'avait plus vraiment envie de faire de vidéo. Ce que je peux le comprendre, hein, des fois on a une phase où on a un petit peu marre. Donc il n'en a plus envie, donc je lui ai dit, enfin je lui ai proposé, enfin, je lui ai demandé si plus tard il voudrait en faire. Il m'a dit je sais pas. Donc pour moi, j'ai quand même pris les précautions. J'ai gardé les vidéos avec lui, mais j'ai quand même supprimé les 100 et quelques parce que déjà, elles servaient plus à rien, quoi. Parce qu'on pouvait plus continuer. J'ai supprimé. Excusez-moi. J'ai supprimé aussi les vidéos qui, pour moi, n'avaient aucun intérêt sur la chaîne. Les vidéos qui ne vous avaient pas plu principalement, les let's play surtout, sauf Pokémon Ranger, que je pense continuer. Parce que je me suis dit que Ranger c'était quand même un assez bon jeu. J'ai gardé Evoland hein, quand même parce que je l'ai fini, j'avais pas supprimé Evoland. Mais je vais continuer Pokémon Ranger, parce que Pokémon Ranger, ça vous fait rigoler en me regardant jouer et en me loupant comme en jouant comme n'importe comment. Et moi aussi ça me fait pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge. Ça vous fait rire en même temps de regarder ce let's play à mon avis. Ensuite, sur les vidéos qui vont continuer, déjà les Ice News, je vais pas en faire un truc précis hein. J'en sortirai quand j'ai un truc à dire. Genre comme aujourd'hui, quoi. Ça, le dernier Ice News, il est sorti il y a. Je sais pas moi, on va aller voir ça. Il est sorti il y a combien de temps? Le 27 juin 2014, donc voilà, donc c'était il y a très très longtemps. Je ne peux même pas calculer. Donc c'était il y a très longtemps. Ice Mode va recommencer. Mais ça sera pas non plus un truc trop. Ça sera pas un truc précis. Parce que comme vous le savez déjà, je suis à l'internat pendant les cours, donc du coup je pourrais pas sortir de vidéo. Donc je me suis dit que j'en sortirai quand j'ai envie. Vous avez pu remarquer aussi qu'à ce moment, il y a une petite série de Speedcraft. Donc en fait, qu'est-ce que c'est Speedcraft? C'est justement des condensés d'une seule partie avec mes kills, enfin les kills de moi et Zoga pour le moment, hein, parce que c'était avec Zoga les parties. Je pense le faire pas mes parties seules, parce que les parties seules, je pense que c'est moins intéressant et moins marrant. Parce qu'on peut remarquer que des fois Zoga me pique mes kills. Hein. Donc voilà, donc en fait Speedcraft, ça sera simplement des condensés de vidéos de PVP où on fait des kills. En une seule partie, pas en plusieurs parties, mais en une seule partie par exemple. C'est pour ça que celle-là est plus courte, parce que la partie était moins longue. Celle-là, autant vous dire qu'on a mis du temps. Donc voilà. Et tout simplement, pourquoi Speedcraft? Enfin, pourquoi je fais pas des vidéos commentées? Parce que tout simplement, comme vous avez pu remarquer, la qualité du son là est un petit peu médiocre, autant le dire. Parce que c'est la qualité de mon ordi. Parce que tout simplement, mon Triton m'a lâché. Donc je pense racheter un autre Triton. Si je me trompe pas, je pense m'acheter le Triton. Le Triton, je l'ai noté où? Dépêche-toi, le Triton. Hop. Je pense m'acheter le Triton Pro plus 5.1 Surround headset PC noir. Donc ce sera un Triton de meilleure, bien meilleure qualité. Si je peux. Non, c'est pas grave. Au pire, je le monte, je le ferai au montage. Et je pense m'acheter aussi. Je pense, pardon, m'acheter le Game Capture HD 2. Mais ça, c'est moins sûr. Parce que le Game Capture HD1 est pas mal, mais enfin, je vous conseille le 2, même si le prix est beaucoup plus élevé.
Mais sur le 1, on ne peut pas adapter son micro, donc du coup, il y a des décalages au niveau d'Audacity et le lancement de la vidéo. Donc pour ça qu'aussi j'ai supprimé Sniper Elite V2, que je ne pense pas refaire. Mais je pense faire d'autres vidéos sur Xbox, hein. Peut-être pas commenter pour le début comme j'aurais pas mon Triton. Parce que je pense recevoir mon Triton après le Game Capture HD2, si je prends le Game Capture HD2 bien sûr. Mais sinon, ouais, donc je ne sais pas si je ferai des vidéos Xbox. Du coup, bah, continuellement je répète un petit peu ce que je vous ai dit, donc continuellement du let's play sur Pokémon Ranger avec ce micro, enfin avec le micro de l'ordinateur que j'ai maintenant, je pense, parce que sinon ça durera trop longtemps. Je pense faire qu'un seul let's play à la fois, parce que sinon c'est trop hardcore pour tourner, parce que la dernière fois j'avais trois let's play à la suite, c'était trop chiant. Du coup, bah, un seul let's play à la fois. J'ai déjà prévu le prochain let's play après Ranger. Donc Platine, hein, c'est fini aussi. Autant vous préciser, Platine 6, c'est fini. Speedcraft continuera. Pendant les vacances, je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par jour, sauf pendant les fêtes. Donc j'essaierai de faire une petite vidéo pour Noël, mais ça aussi, ça va être assez hardcore si j'ai le temps. Pour le premier de l'an aussi, mais bon, ça on verra plus tard. Le premier de l'an, c'est moins intéressant, on va dire. Voilà, donc Ice Mode va reprendre, les Ice News sont en train de reprendre justement. Présentation de jeu, j'ai déjà quelques idées. Petite nouvelle série sur du graphisme, parce que je vais me mettre au graphisme, parce que j'aime ça, ça me plaît bien, etc. Continuellement du Speedcraft vidéo par jour à peu près. Quoi d'autre à dire? Les Ice Flash. De temps en temps aussi, pas tout le temps, parce que de temps en temps, je pense que je vais mettre de temps en temps. Faut vraiment que je refasse mes miniatures. Royal Cube, donc je ne sais pas s'il y aura une troisième saison, parce que la deuxième saison va être un petit peu foirée, on va dire. Les tutos vont reprendre, oui, les tutos vont reprendre aussi. Présentation de jeu, je l'ai dit. Pokémon Showdown, je ne pense plus en faire, mais ça c'est pas sûr. Peut-être qu'un jour je m'y remettrai, hein, on sait pas. Dofus, peut-être d'autres quelques vidéos. Découverte de jeux pour possibilité de let's play à la suite. Hein, par exemple, Inazuma Eleven, bon ok, c'était pas vraiment un très bon exemple parce que c'est un jeu japonais qui est adapté que sur DS3, 3DS, pardon. Donc voilà. Donc vous savez à peu près tout. J'essaierai de mettre à peu près ce qui va changer dans la description. Donc bah j'espère que ça vous a éclairci un petit peu le pourquoi du comment de tous ces changements. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.